Coucou les petits copains, les petites copines, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez reconnu les petits jouets qui sont devant nous? J'espère quand même, parce que la vidéo précédente, on vous a bien bourré le crâne, elle était bien longue. Alors dans cette vidéo, on va ouvrir la suite de notre unboxing des Mojipops, Papounet. Tout à fait, Mamounette. On a fait les soldes, Mamounette a fait les soldes, elle est tombée sur tout un tas de séries 1 des Mojipops. Ce sont ces petits personnages là, si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, c'est des petits personnages, on peut changer les visages, ils ne m'écoutent toujours pas, j'adore. J'arrête de parler. Voilà. Non mais c'est sympa Papounet, les petits ça ressemble à des Shopkins un petit peu, ce sont des petits personnages tout mous, on peut changer l'expression. Tout à fait. Regardez. Voilà. On peut mettre des émojis, on peut mettre des petits accessoires dessus. Ouais, il y a des petits accessoires, mon petit cœur. On peut changer les visages, voilà, par exemple, là, on change son expression. Et tous les visages aussi sont interchangeables entre les Mojipops. Tout à fait. C'est-à-dire que si on veut prendre le visage de l'un, on peut le mettre sur l'autre, etc. Et Ellie est en train de m'expliquer comment on met les petits accessoires. Vous voyez, en fait, là, il y a un petit trou, là. Et ben, en fait... Voilà, c'est hyper simple. Bon, Papounet, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on fait, Mamounette? On va ouvrir deux packs de 4 et un pack un petit peu plus spécial. Générique. Hey, nous revoici les petits compagnons de copines. Bon, Mamounette, on a hâte d'ouvrir ces nouveaux Mojipop. J'allais dire Emojipop parce que ça se ressemble. Tout à l'heure, t'arrêtes pas. Emoji. Bon, alors regardez, je vous fais un petit rappel. Alors bon, bah c'est les soldes, hein. Donc du coup, je l'ai acheté moins cher. C'est la série 1 et regardez, il y en a 3 qu'on voit à travers le packaging et il y en a un qui est caché à l'intérieur. Voilà. Allez, Ellie, vas-y, ouvre-nous donc. Allez, on met tout de côté. Allez, les petits Mojipop là. Il y a les petites estrades là, voilà, comme ça on peut les mettre, c'est sympa. Qui sont escamotables. Regarde ma moulette, hop, j'escamote. Ça prend moins de place. Je des escamotes. Regardez celui-là. Allez, je garde. Son préféré, c'est le petit chat. Non, mais là. Hein, c'est le petit chat, c'est le petit chat, il adore son préféré. Oui, non, t'as pas envie de me répondre. Non, je crois pas. Alors, moi, allô, je suis là. C'est le petit chat, ton préféré? Ouais. Ah, d'accord, merci. J'ai eu la réponse. Alors, on découvre les nouveaux Mojipops qui sont contenus dans ce set. Tu l'as enfin dit correctement. Alléluia. Tu l'as enfin dit correctement. Mojipop. Oui, regarde. Ah, il le dit, il arrête pas de le dire. Et ça, je te le mets dans ton oreille. Ah, mais ça rentre en plus. Ah, mais tout rentre dans mon oreille. Les oreilles. Waouh. Alors, ma puce, qu'est-ce que c'est? Les accessoires. Petit masque de chat. En fait, c'est des lunettes chat, Mamounette, regarde. Oh, c'est rigolo. Ah oui, merci de me les donner à l'envers, comme d'habitude. Trop sympa. Vous voyez, il y a deux petites pattes de chaque côté, et ça, on peut l'enficher dans le visage, ça tient hyper bien. Qu'est-ce que c'est, en fait? Ça, c'est le photopop, et ça, c'est les Mojipop. Photopop, c'est Mojipop. Du coup, on en avait qu'un seul accessoire, les petits loulous? Non, il y en avait 3 autres. Il y en avait 3 millions. Il y a même de quoi faire la fête, Mamounette, regarde. Alors, merci, c'est trop bien donné. J'adore. C'est comme ça. Moi. Des petites lunettes cœur, ça, on en avait déjà eu dans la vidéo précédente. La petite couronne, on l'avait déjà eu aussi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un petit chapeau pour faire la fête. Voilà. Trop sympa. Vous voyez, ces petites pattes là, ça se met dans le visage et ça tient. J'ai un problème, Mamounette. Quoi? Je peux plus parler, je suis à 11 euros. Ah, attends, je suis en solde. Oh mince, j'ai tombé le trou. Bon, allez, tu reviendras quand ta blague elle sera préparée. Elle est pas au point. Alors, le premier Mojipop, c'est une petite raquette. Trop mignon, regardez, c'est tout mou. Hein. Alors là, par contre, il est pas content, hein, parce qu'on a tapé avec sa face, probablement, on a tapé dans la balle avec. Et là, par contre, il nous tire la langue. Oh, il est mignon. Sympa. Ouais. Ensuite. C'est qui le roi des Mojipop? Alors, ah bah t'es pas le roi des Mojipop toi hein. Ah je suis pas le roi des Mojipop, pourquoi ça? T'es le roi des bêtards. Ça va, je rigole. Non mais par contre c'est rigolo le packaging, là on dirait que t'as deux oreilles de Mickey. Mickey. Bon alors ensuite le deuxième Mojipop, qu'est-ce que c'est? C'est une guitare, c'est un banjo. Oh c'est rigolo. Alors là il fait la star avec ses lunettes hein. Oh, mais je l'ai eu celle-ci. Mamounette, mais c'est... C'est une raquette. C'est une raquette de tennis. Ouais, c'est sympa. C'est soit une raquette, soit le truc électrique pour tuer les mouches, là. Ouais, tu sais, ta mère, elle adore. Ouais, moi voilà. Je dis que... Et celui-ci, il pleure. C'est une raquette ou une bouteille. Non, c'est une raquette. Non, il y a un tamis, là. Voilà, le deuxième.
Ensuite, Ellie. Oh, la guitare, j'adore. Et après... Et après que j'ai joué, regarde la tête qu'elle fait, il joue vraiment mal de la guitare. Ah, mais oui, on l'a vu, il pleure, Michette. Allez, hop. Touk. Suivant. Allez, un professionnel du unboxing. Je vais faire une devinette pour cette fois. Allez, vas-y. Vas-y. Tiens. Devinette. Elle sait pas ce qu'elle a ouvert. Si. Ah. Bon, que j'enlève le scotch. Ah, ah. Oui, il y a du scotch, il y a tellement de scotch. Alors, c'est pas une devinette, mais c'est un petit. Par exemple, vous aimez faire la guitare, un petit truc comme ça. Quoi. Ah, d'accord. Alors, vas-y. Est-ce que vous aimez faire de la musique? Ah oui, oh là là, j'aime faire de la guitare, du tambour, de la flûte et du triangle. C'est facile le triangle. Alors du coup? Et toi maman? Du piano. Oui, mais qu'est-ce que font ces objets? Ils font de la musique. Et qu'est-ce que j'ai à votre avis? Une radio. Une note de musique. Une radio. Une note de musique. Ah, bravo maman. Parce que derrière il y a l'autre note de musique. Eh oui. Fais voir. Oh mais elle est trop mignonne. Alors du coup c'est une simple croche, une double croche, une pleine. Ah c'est une noire. Ah non c'est une bleue. Ah trop mignon, regardez. La petite note de musique. Sympa. Alors, on a la première petite expression hypnotisée. On retombe un peu sur les mêmes expressions quand même de visage. Hein. Ah bah au bout d'un moment. Et le petit clin d'œil. Voilà. C'est comme nous les êtres humains, on n'a pas 40 000 expressions. On a, ah, on en a beaucoup quand même. Hein. On en a beaucoup. Et des fois sur le visage, il y a deux expressions qui se mélangent. Et là, ça devient n'importe quoi. Entre le dégoût, l'envie de rire, et entre paf. Le pleur et le rire. Et paf, l'AVC. Ouais. Non, mais c'est vrai, on peut pleurer de rire. Ouais, c'est vrai, on peut pleurer de rire. Alors, regardez, on a un petit cadre, j'ai envie de dire, qui vient avec. Et alors, vas-y, coince-le. On va montrer à nos petits copains de copine. Vas-y, vas-y. Regardez, ils ont tout prévu. Il y a des petites encoches. Et il n'y arrive jamais à le mettre comme il faut. Moi non plus, d'ailleurs. Voilà, les encoches. Oh, les nazes. Qui nous permet de... coincer le cadre. Voilà, et en fait, ça crée une petite scène. Et là, en fait, voilà. On peut prendre en photo. Ouais, c'est Instagrammable. C'est Instagrammable. Comme on dit maintenant, c'est Instagrammable. Attendez, oui. Attendez, je peux faire une. Qu'est-ce que tu fais? Une. Je peux faire. Non, je peux faire. Ils sont où tes cheveux d'ailleurs? On voit pas aujourd'hui. Ah, ils sont là. Attends, ça fait chouchou. Ils sont là. On dirait pas Astérix. Oui, un peu. Ça fait chouchou. Ah, ça fait un chouchou. Ils sont longs, les cheveux. Ça fait un chouchou. Ah oui, ça fait un chouchou. Maman. Oui. Avec quoi tu filmes? Une caméra. Et tu penses que j'ai quoi dans ma tête? Un appareil photo. Une pellicule. Yeah, c'est un appareil photo. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Vous savez les pellicules? C'est drôle quand même cette blague. Ouais, c'est drôle. Oh là là. Ah, bravo, bravo. Ah, merci. Un petit 12 sur 20 encouragement. Regardez, petit appareil photo. Il est mignon. Sympa. Alors la première expression. Une blague super importante. Et là il dort. Voilà. On retombe sur l'emoji pop. Une blague. Alors attention. Mais c'est pas par rapport au emoji. Elle tient de son père, donc attention. Vas-y ma petite. C'est pas une emoji pop. Alors vas-y. Quelle est ta blague? En fait. Quel est l'animal qui a le plus de dents? Le requin? Je sais pas. Bah la petite souris, vu qu'elle prend toutes les dents des gens. Mais oui, la petite souris, c'est celle qui a le plus de dents, elle les collectionne. Ouais, bah, bien sûr. Bravo. Alors là, je vous dis bravo. Bravo, ça mérite l'ouverture du second set. Ouais. Pas pour l'encourager non plus dans ce set. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça qu'elle a fait. Allez. Et regarde, Mamounette. Et là, on a une colonie. Et on commence à avoir une jolie collection. Il y a une colonie de Mojipop, ça. Hein. Regarde ça. Ah, c'est beau. Donc, la vie est en train d'ouvrir un deuxième set identique au premier avec des Mojipop différents, bien sûr. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait les voir quand même en accélérant un petit peu la cadence? Parce que t'en as marre, Mamounette? Ouais, je me souviens. Non. On parle trop, c'est ça, on parle trop. Alors vas-y, ma puce. Donc les accessoires, bon, toujours pareil, hein, sauf que ça change un petit peu de design, j'ai envie de dire. On a des lunettes étoiles ici, on a un chapeau pointu pour la fête ici, on a des lunettes, bref, c'est un petit peu toujours pareil. Voilà. On monte l'estrade. Elle est verte cette fois-ci. Elle est verte, un peu comme celle-ci. Voilà, même pas qu'un peu, elle est carrément comme celle-ci. C'est exactement la même. Voilà. Et donc là, on va découvrir les Mojipops qui sont dans ce. C'est là, on dit correctement. Je l'ai dit correctement, Mojipops. Ouais.
Élise, tu pouvais revenir parmi nous. Ah, reviens parmi nous. Je sais que les estrades prennent de plus en plus de place. Attends, je vais nous replacer. Voilà, c'est bon, on est mieux recadré. Parfait. Non, vous êtes un peu trop parti. Est-ce qu'on est cadré? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, lui, c'est un géant. Oh la vache. On a juste le sourire. Je vois qu'il y a des roues. On a juste une patte. On avait l'expression, le visage. Oh, c'est un skate. Alors regardez le petit skateboard, il est mignon. Il est trop bien fait. Voilà, avec la petite étoile filante. Puis après, en fait, on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Là, il pleure parce qu'il vient de tomber. Et là, et ben, il nous fait un sourire, il est amoureux. Et on peut combiner la mounette. Regarde, j'ai un chat sur un skate. Ouais, bien sûr. Combinaison de Magipat, deux en un. C'est les soldes en même temps. Alors ma puce, est-ce que tu galères ou tu galères? Je galère. Ouais, ça m'étonne pas. Pas. Ah, ça y est. C'est une petite souris. Non, moi je vais faire l'autre d'abord. T'arrives les deux à la fois. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un casque. C'est pas du tout une souris, c'est un casque de moto. Ah, c'est rigolo, regarde. Un petit casque. Il est beau, hein? Ouais, sympa. Donc là, il nous fait un bisou. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il nous tire la langue. Et après, nous avons eu... Sympa le petit casque. Oui, parce que quand tu fais du skate, faut mettre un casque. C'est ça que t'as vu pour la petite souris. Un petit soleil. Oh, mais il est magnifique. Oh, il est mignon. Oh, il est beau, il est magnifique. C'est ça que t'as pris pour la petite souris. Ah oui. Ah, il est trop chou. Magnifique. C'est ça que t'as pris pour la petite souris. Eh oui, c'est donc ça. Donc là, bah, bien sûr, il a les lunettes. De l'autre côté, il pleure quand il se cache. Voilà, donc là, on le laisse avec les lunettes. Oh, c'est trop beau, j'adore le soleil. Hein. Mm. C'est un de mes préférés. Et alors, l'exclusif, Ellie, celui qui était caché. Petite souris. Ah, il y avait bien une petite souris. C'était la surprise. Oui. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas que je le dise. C'était le mystère. C'était le mystère. Oui, mais tu l'as deviné. J'avais un truc dans les mains. J'avais deviné avant. Mais, regarde, ma main. Alors, la petite souris. Non, mais c'était la surprise, t'avais déjà deviné. Elle est chaude. Cette petite souris. Voilà, elle nous fait un petit clin d'œil. Je l'avais vu sinon... parce que moi j'étais en train de récupérer ça là. Ah, oui. Ça fait exprès. Ah, bah elle est hypnotisée. Alors, on va la laisser hypnotiser. J'aime bien. Voilà. Trop chaud. Donc Ellie était en train de m'expliquer que bon bah elle voulait pas que je vois la surprise et en fait je l'ai vue. Ah. C'est pour ça qu'elle disait non c'est pas une souris mais en fait c'est une souris. Mmh. Alors vas-y ma puce, on va mettre le cadre et là ma mounette, on va passer au dernier set. Oui tout à fait, il y a des accessoires un petit peu plus cool. Alors regarde ma mounette comment ça marche, regarde. Allez, on découvre le mystère. Bravo. On l'a pas mis un peu à l'envers ce truc là. Oui un peu mais c'est là il est pas droit. Et là, il est pas droit. Hein. Comment ça, il est pas attends, droit non. Il est pas... Ah mince, il est pas droit du tout. Oh là là là. Voilà. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez découvrir le... Oui, la dernière. Alors, les deux. Set-là est un peu spécial, ma mounette. Oui, c'est un set spécial la fête, regarde. Spécial la fête. Oh, regardez, spécial la fête. Les petits... Oh, oui. Ma mounette, il valait 20 euros et on l'a eu à 5 euros. En fait, il y a... Mais vive les soldes. Il y a deux Mojipops, il y a... Un petit truc de DJ, une boisson, un cadeau, deux cakes. Bah, vous avez un petit peu la bande-annonce là, ça c'est table. La bande-annonce, donc on vous dit ce qu'il y a dedans une mais vous ne voyez pas. Table. Un toboggan gonflable. Et là maintenant vous allez avoir le film, après la bande-annonce. Tu veux que je t'aide parce qu'il a l'air très très bien scotché. Tu vas voir. Allez vas-y. Je les écarte là, je les écarte. C'est pas mal hein, quand même. Là. Je crois qu'on va l'inscrire à la boxe. Ouais, ça y est. Donc là, la petite... Oh, c'est ici, moi j'ai pas. Achetez-le, il coûte 1 euro. Sur promo, je coûte 3 euros, regardez. 3 euros, voilà. 3 euros, 4 euros. 3 euros. Vous me trouverez sur la ligne de plan. Ah non, tu coûtes 5 euros. Ah oui, il y a plusieurs prix. Ah oui, mais là, je suis tu en promo, sur promo. Oui, promo sur promo. Je suis en super promo. Personne ne veut m'acheter, alors je suis encore en promo, encore plus en promo. Pour que tout le monde t'achète. Allez, on découvre ces petits body pops. Et leurs accessoires, là, c'est des accessoires fous. Un toboggan. Il est trop beau. Party time, c'est écrit dessus. C'est un toboggan vert. Là, c'est des trucs vert. Pour se cacher. Tu veux voir? Oh, c'est trop beau, regardez. Non, mais ah, moi, bah, c'est moi, cool. Je connaissais. Ça change des estrades. Avant, il y avait des toboggans gonflables où on pouvait se cacher sous le toboggan. Ah ouais, c'est vrai. Sympa, ça. Très sympa. On l'utilise? Mmh. Alors, regardez, petit coin de copine. Ouais, j'ai fait des toboggans. Ah bah, comme ça, on peut en mettre un comme ça. Ça peut faire aussi présentoir, elle a raison, Elie.
On en met un là. Sauf qu'il y a deux Moji Pops dedans. Ouais, on peut, hein, regarde. Mais ce sont des présentoirs. Faut pas faire parce qu'il y a déjà. Ah oui, il y en a déjà. Ah oui, oui. Alors vas-y, montre-nous. Donc ceux-là, je les remets à leur place. Hop. Club de DJ. Club de DJ. Ah oui, une station de DJ. Ah mais attends, des platines. Regardez. Ah mais on a qu'à mettre la note de musique vu qu'elle fait de la musique. Ah, bah oui. Voilà. Elle a raison, Ellie. Avec on les grosses basses. On a qu'à mettre les grosses basses. Non, les grosses baffes. Les baffes. Les baffes, c'est ce qu'on se prend quand on est pas sage. Ah mais oui. Ah non, mais voilà. D'accord. Voilà. Non mais là, on n'arrête pas de lui couper la parole. Je le fais exprès, mon bébé. Vas-y. On a qu'à mettre la note de musique vu qu'elle fait de la musique. Ah ben oui. Logique. Logique, alors la note de musique fait de la musique. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Je vois un autre accessoire en gros là. C'est une table? Non. Il y a une table avec un banc. Une banquette? Oui, c'est une banquette. Merde, DJ Note là. Ouais. Ah oui. Nap. Une petite table, oh, c'est trop mignon. Nap. Nap. Elle fait peur. Il y a une petite nappe rouge, regarde. Ouais, c'est bien fait, franchement. Nappe rouge. Ouais. Et les deux bancs, c'est ça, Ellie? Alors, qui va manger ici? Qui va manger mignon. Ici? Sympa. Oh, c'est mais mignon. Mais je sais qui ont... Bon, on va mettre de la bouffe, la nourriture. Non. C'est la nourriture qui mange la nourriture. C'est bizarre. Cannibale. La nourriture cannibale. Moi, je mettrais plutôt des frites. Allez, mange des frites. Non, parce que ils ont des yeux et ils sont vivants, ils sont gentils. Ah, on va pas les manger quand même. Non, on va pas les manger, ils ont des yeux. Donc ce qui n'a pas d'œil, on peut le manger, ouais. Vous le saurez. Bah, tout ce qui n'a pas d'œil, une voiture, pourquoi pas, ça n'a pas d'œil. Un arbre, ça n'a pas d'œil, un arbre, on est d'accord. Hein, ouais. Un serre-tête, on peut manger un serre-tête, ça n'a pas d'œil. On peut manger un cochon. Oui. Non, parce que ça a des yeux. Ah non, vu que ça a des yeux. Voilà. Un lapin. Ça a des yeux. Non, ça a des yeux. Négatif. Une chaise. Ça a des yeux. Un mouton. Mais non, ça a des yeux. Une chaise, tu peux, une table. Et un mouton aveugle, par exemple. Mais il a quand même des yeux. Il a quand même des yeux. Bah non. Mais si. Bah si. Admettons qu'il soit né sans yeux. Ah bah là, on peut le manger. D'accord. Bon, on passe à la suite après cette discussion un peu, j'ai envie de dire, métaphysique. Oh, c'est ça qu'ils vont boire, tu vois, ça, ils n'ont pas d'œil. En fait, ça, ils peuvent le boire vu qu'il n'y a pas d'œil. Non. Même si c'est du jus de mouton, tu vois. Je sais pas où on est parti, mais loin. Très loin. Ou libre. Oh, ensuite. Du jus de mouton. Ensuite, c'est quoi d'autre comme accessoire? Du jus de mouton. Du jus de mouton. Alors attends, fais voir. Tu vois, même si c'est du jus de mouton, bah, c'est dedans. Et ça, et la boîte, elle a pas de yeux dedans. Oh, on peut y arriver. Regarde, tu vois, même les cadeaux du Père Noël, on peut les manger. Ah, d'accord. Alors, regardez, ça c'est en vrai, tu bois, on peut la manger. Ah, bah, petite boisson. Allez, on boit la boisson, du jus de mouton. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Vous allez me perdre, hein, moi je vous le dis. Je suis déjà perdu. Je suis bien perdu, moi. Je sais pas où je suis. Où je sais pas où je suis. Allez, bébé, tu vas montrer les accessoires, mon bébé. Ah oui, les accessoires. Alors attends, lui, je vais le mettre là. On peut manger du cupcake, vu qu'il n'y a pas d'œil. Alors ça, c'est pas du cupcake, ma puce, c'est une tranche de gâteau. Oui, mais vu qu'il n'y a pas d'œil, on va aller manger. Regardez, petite copine, elle est très très belle, cette tranche. Mais tu savais qu'il y avait des yeux dans le Nutella, Ellie, du coup, tu peux pas en manger. C'est fini. Oh non. Bah non. C'est pas grave, exception. Bah non, il n'y en a pas. Et parfois, le beurre, quand ils font, il fait des yeux. Mmh. On dit. Ou même les pommes de terre ont des yeux parfois. Mmh. Tu sais. Oui, mais on peut les enlever là. Non, on les enlève. Ah, mais c'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, notre pain de gâteau, regarde. Tu les remettrais correctement après. Oui, je remettrai correctement. Donc, ça, c'est un fraisier. Et l'autre, je sais pas, peut-être un cornichonnier, un poirier. Un... Qu'est-ce un qu'il y a? Un poirier. Vous voyez une blague? Oui. Vous voyez le poirier, l'arbre? Oui. Et bah, le poirier là, il fait le poirier. Double poirier. Ça, c'est bien. Un poirier qui fait le poirier. Voilà, c'est un poirier au carré. Là. J'ai mal au ventre tellement je rigole. Hein. Oh là là. D'ailleurs, je rigole pas parce que j'ai trop rigolé. En fait. Je rigole intérieurement. Est-ce que nous avons un sapin? Un sapin? Non, on n'a pas de sapin. Qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que c'est? Cadeau! Un pot de sapin? Un petit cadeau! C'est un pot cadeau du Père Noël! Ah, un cadeau! On a mais c'est une fête d'anniversaire en fait! Ouais, en fait c'est une fête d'anniversaire! Une... Bah oui! Ah, j'avais compris que c'était un petit cadeau! Voilà, c'est une fête d'anniversaire en fait! Ils sont en train de fêter! Attendez. Donc il y a des gonflables forcément! Bah oui! Bah c'est pour ça qu'il y a de la musique! Bah oui, il y a de la musique! En fait c'est une meringue! C'est une fête. C'est une fête. Bon alors, montre-nous les émojis qui ont été invités à cette fête. C'est pas des émojis, Pop. Enfin, tu te dépêches, Ellie, j'ai bientôt plus de batterie sur la caméra. Hein. Moi, j'ai bientôt plus de batterie, moi. Regardez, je suis dans la... Regardez. Ouais. Regardez mon œil. J'ai une réserve.
Est-ce que vous aimez les bonbons? J'adore les bonbons. Ah bah oui, il y a des bonbons dans les fêtes. Il y a des gâteaux, il y a des bonbons. Mais quel bonbon? C'est un bonbon pour fêter son anniversaire. Les bonbons, ouais. Les bonbons. Une sucette. Les bonbons dans le paquet. Une batterie. Dans le paquet pour moi. Arrête de faire des blagues. Oh, une batterie. Oh, c'est trop mignon. C'est quoi? Oh, c'est un créma. Regardez, il a un petit. C'est sympa parce qu'ils ont des expressions qu'on n'avait pas déjà vues. Il a une petite langue de belle-mère dans la bouche pour faire du bruit. Voilà. De belle-mère. Ouais, de belle-mère. Ouais, ça s'appelle comme ça, je sais pas pourquoi. Belle-mère. Belle-mère. Sympa. Waouh, il est trop beau. Est-ce que vous avez un sapin là? Moi j'ai pas de sapin, hein. Qu'est-ce que tu vas nous donner? C'est pour un cadeau encore? Un gros cadeau! Un emoji pop! Un emoji pop pour le nouveau! Et un mini emoji pop! Un emoji pop! Un emoji pop en forme de cadeau! Un emoji pop, un emoji pop! Et comme ça, ça sera un cadeau qui s'offre lui-même un cadeau. Donc en fait, il s'offre un enfant. Ouais, pas drôle. Bon alors, c'est quoi? Je vais me faire casser en direct. Le dernier emoji pop! Peut-être que c'est pas ça! Le dernier emoji pop d'emoji pop! Plus de batterie? Oui. Plus de batterie! Son parent. Oh, regardez, petit copain de copine, c'est trop mignon. Moi, je prends le emoji pop, ouais, ça, c'est un cadeau. Non, regardez. Non, c'est son bébé. Trop mignon. Avec la petite étiquette. Vous voyez ce cadeau, là? Il dit, bah, c'est le cadeau de machin. Vous voyez ce petit copain? Ouais. Maman. Maman, elle veut te dire un truc. Et là, regardez. Elle fait exprès de pas nous écouter. Oh, il y a une petite... comme s'il avait des écouteurs. Ah, c'est sympa, un petit casque. Maman. Trop cool. Maman. Ah, t'as fait un strike? Ouais, je suis désolée. Regarde, c'est la fête, regarde, ils ont mis leur chapeau et on dit joyeux anniversaire au cadeau. Joyeux anniversaire au cadeau. Bon, allez, tu crois une copine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Arrêtez là. Oui, oui. Oui, les fous, les gros fous. Je saigne de l'oreille. Attends, Ellie veut nous dire quelque chose, elle s'est endormie tellement que t'as trop parlé. Tellement c'est long, attends. J'ai vu tout à l'heure, ses yeux, ils partaient dans le vide là-bas. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire un truc intelligent ou pas? Vous voyez ça? Ouais. Il n'y a pas d'œil, on peut le manger. Voilà! C'était pas intelligent! Bon, tu peux combien? Faites gros bisous, likez, partagez, commentez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Blablabla. On vous dit à bientôt. Je me dépêche parce qu'on a bientôt plus de batterie. Oui? Oui, ce cadeau là. Il n'y a pas d'œil, donc on peut le manger. C'est pas ça les petits comme ça. Allez, gros bisous, à très bientôt. Vous voyez cette main là, il n'y a pas d'ailleurs. Ah.